Tu fais quoi? Je suis en Antarctique, là, devant une ours polaire. Oh, il y a un petit peu... Oh, il est trop chou. Mais pourquoi tu bouges comme ça? Parce que je suis en 360. C'est trop cool, je peux voir tout ce qui se passe autour de moi. Mais t'as une application spéciale? Non! Des vidéos en 360 maintenant sur Internet. C'est trop cool. Vraiment, tu sais, les gens, ils postent tous leurs vidéos. Tout est imposé, quoi. Tu vois, c'est... Voilà, faut que tu regardes là, faut que tu regardes là. On te fait un zoom là-dessus. 360, tu regardes tout ce que tu veux. T'es là, regarde. Tu veux regarder le ciel? Hop, tu vois le ciel. Tu vois? Regarde là, hop, je regarde en face de moi. Et si je veux regarder derrière moi? Hop! Ouais, je vois derrière moi. T'as vu? C'est trop cool. C'est comme, par exemple, si t'as une vidéo, t'as une meuf qui passe. Tu fais comme ça, tu fais... ouh, elle est pas mal, celle-là. Ah ouais! Eh, mais moi aussi, je veux. Pourquoi tu veux? Bah, pour regarder le ciel, pour regarder tout autour de moi. Ouais, t'es censé pas pour regarder les meufs? Oh non, non, non. Non, ouais, fais gaffe, je te surveille. Bonjour! Aujourd'hui, la vidéo n'est pas en 360 parce que ça fait 3 semaines que je poste des vidéos. Il doit y en avoir une quinzaine sur ma chaîne YouTube. Et j'ai pas mal de retours. Je crois que je suis le premier vlog de voyage en 360 parce que vu que le 360 c'est encore en essai, on va dire, il y a pas mal d'applications qui se mettent à jour pour réparer un peu les petits problèmes qu'il peut y avoir avec les vidéos en 360. Donc les gens ne sont pas habitués aussi à regarder des vidéos en 360 et ça décourage pas mal de monde et les vlogueurs. Et moi j'ai décidé de m'accrocher et de continuer. Et donc je vous fais cette vidéo pour que vous compreniez un peu comment ça marche. Donc pour faire un petit récapitulatif, les vidéos en 360 ne fonctionnent pas sur tous les serveurs. Ça ne fonctionne pas sur Safari. Qu'est-ce qu'est un serveur? Qu'est-ce qu'est Safari? Donc Safari, c'est quand vous vous connectez à Internet, peut-être que vous vous connectez grâce à cette petite boussole bleue avec une aiguille rouge et une aiguille blanche. Ça, c'est Safari. D'autres serveurs qui vous permettent de se connecter à Internet vont être Internet Explorer, ça va être le E avec l'anneau jaune, Google Chrome, qui va être cette boule bleue avec un anneau tricolore autour, ou Firefox qui va être le renard qui entoure une boule bleue aussi. Moi personnellement je préfère Firefox parce que Google Chrome, je trouve qu'il y a trop de publicité même si on bloque les pubs. Donc voilà, c'est un avis personnel. Donc après ça change rien par rapport à Safari, c'est juste que pour se connecter à Internet, au lieu de cliquer sur la boussole, vous cliquerez sur le renard. Mais ça vous permet de regarder les photos sur Internet en 360, sur Facebook ou sur YouTube ou même sur vidéo, sur Vimeo aussi aujourd'hui. Alors sur YouTube, j'ai fait donc ma chaîne et j'ai fait une erreur, c'est que je repostais sur ma page Facebook les liens YouTube de mes vidéos. Sur les ordinateurs, ça fonctionne très bien parce que il suffit de glisser avec la souris. Et vous avez donc, vous cliquez sur l'image, vous descendez, vous montez, vous faites glisser à droite ou à gauche et ça vous fait, ça vous dévoile toute la scène qui est autour de vous en 360 degrés. Par contre, sur les téléphones, ça ne fonctionne pas de la même manière. Soit vous avez un gyroscope dans votre téléphone, vérifiez parce que tous les téléphones n'en ont pas, mais en général, les derniers téléphones en ont. Donc là, vous montez en haut, en bas, à gauche, à droite, et la scène se déroule et bouge en même temps que vous, comme si vous regardiez, comme si vous étiez dans la scène. Ensuite, vous pouvez aussi faire avec votre doigt en haut, en bas, à gauche, à droite. Dans certaines occasions, ça peut servir. Là où j'ai fait l'erreur de poster depuis YouTube, c'est que du coup, ça ne fonctionnait pas et vous aviez une vidéo écu rectangulaire et vous pouviez pas donc utiliser le 360 normalement. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai reposté toutes mes vidéos normalement, si j'ai eu le temps et si j'ai eu une bonne connexion internet. Donc vous pouvez regarder les vidéos en 360 depuis Facebook et dans le futur, je vais poster donc sur ma chaîne YouTube
les vidéos YouTube et sur Facebook, les vidéos en Facebook. Ah ouais, là, ça marche trop bien. Et là, tu fais quoi? Là, je suis en immersion totale. Oh, putain, c'est ouf avec les lunettes. C'est ouf. C'est ouf, j'y suis. J'y suis, là. Incroyable. C'est génial. Les lunettes. Alors malheureusement, les lunettes ne fonctionnent pas sur Facebook. Elles fonctionnent que sur YouTube. Donc sur YouTube, comme je l'avais déjà expliqué dans une première vidéo, il faut, quand on est sur son téléphone, vous tapez sur votre écran, en bas à droite, vous aurez le petit masque, vous tapez dessus, l'écran se sépare en deux. Et à ce moment-là, il faut glisser le téléphone dans les lunettes et vous êtes vraiment en immersion totale. Si ça vous embête d'aller sur YouTube, vous préférez Facebook et vous savez pas trop comment faire parce que vous voulez utiliser ces lunettes, vous voulez être en immersion totale et vous décidez d'acheter les lunettes sur Amazon, je vous mets le lien de notre chaîne YouTube. Comme ça, vous vous abonnez, c'est pas compliqué. Pour se connecter à YouTube, vous allez devoir juste mettre votre adresse Gmail et votre mot de passe de votre email et vous vous abonnez sur notre chaîne et comme ça vous recevrez des petits emails une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. C'est vraiment pas des emails intempestifs et puis ça vous donnera l'occasion d'utiliser vos lunettes et d'aller sur YouTube sans chercher trop loin, juste vous le recevrez dans votre email. Voilà, alors surtout abonnez-vous, likez, partagez, mais avant tout voyagez avec nous.